Et salut tout le monde, c'est BurryDays. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle démo. Et il s'agit bien sûr du jeu très attendu de Quantic Dream. Il s'agit bien sûr de Detroit Become Human. Donc démo qu'on va commencer. On va juste faire d'abord options. On va regarder vidéo. Je pense que c'est bon de toute façon. Alors. On va jouer comme ça, c'est bien. Ça m'a l'air plutôt bien. Donc comme ça. Non, comme ça. Ok, oui. Alors, audio. Système audio, bah, casque. Logique. Longue. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien fait par contre, parce qu'on sait jamais quand ils disent grande, petite. Bon, ok, mais on sait pas vraiment. On va mettre moyenne, ça m'a l'air bien moyenne. Sous-titres, oui, langue des textes. Français, audio, français. Ou en anglais. Non, en français. Voilà. C'est bon. Difficulté. Occasionnel, expérimenté. Ah, occasionnel. Je veux surtout une histoire avec des commandes simplifiées, un défi plus abordable, avec moins de chances de perdre un personnage. Je veux surtout de l'immersion avec des commandes avancées, un défi plus corsé où les erreurs peuvent mener à la perte d'un personnage. Donc on va faire expérimenter. On est dans la démo, donc autant tester. Comme ça, le jour que j'aurai le jeu, je verrai ce que je mettrai. Niveau des commandes. Alors, caméra interagir, se déplacer, menu pause, pas les montages, changer la caméra. C'est tout? Non. Il n'y a que ça comme touche. Arrête. Sois visible. Bon, c'est pas grave. Allez, on va commencer la démo. Here we go. À expérimenter. 15 août 2038. Oh putain, j'ai vieilli là, oulala, là là. J'ai pris 20 ans. Ah, c'est la fameuse démo. La fameuse démo que je raconte. Fameux trailer qu'on connaît. Je suis un négociateur, d'accord. Ah ouais, d'accord, ouais, chaud. John Phillips. D'accord. Bien. On va voir ce qu'on peut faire. Hein. Il y a plein de trucs par terre. Ah. Ah oui, je change les caméras et tout, c'est bien ça. Le poisson. Un couramine. D'accord. Sauvé. Mort de rire. C'est bien fait ça. Et le tour avec le joystick droit. Et combattant. Ah, des néons. Oui, je suis venu pour garder des poissons. Je suis pas venu pour jouer au jeu. Oh, je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille.
Vous avez envoyé un autre œil. Venez, madame, vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez envoyer un véritable être humain. Éloignez ce œil de ma fille. Trop le commandant alien. Ouais, bah ça va. On se calme là. D'accord, il y a des trucs à faire là. Vous parlez, monsieur ? Commandant Allen, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu 2 de mes gars. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Connaissez-vous son nom ? J'en ai aucune idée. Ça change quelque chose. J'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche. Savez-vous s'il s'est déjà comporté étrangement auparavant ? Écoute, la priorité, c'est de sauver cette gamine. Alors occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe. Oh putain. Comprendre ce qui s'est passé, sauver l'otage à tout prix. What? Bon, c'est quoi, fuck? On va analyser. Utiliser le joystick droit pour déplacer le curseur. D'accord. Trop putain. Ah ouais, carrément. Chaud. Y'a rien d'autre, quoi. On peut rien faire d'autre, quoi. Juste triangle. Ok. Putain, il y a 4 indices celui-là. Décédé, John Phillips, 19h29. D'accord. Ah. Merde. Blessure par balle de calibre 9 mm, hémorragie de la partie intérieure du poumon, hémorragie interne. D'accord. Blessure par balle, rein gauche perforé, traumatisme abdominal mortel. Ah d'accord, je peux reconstituer le truc et tout. Non. Utiliser le 2 ou R2 pour voir la reconstitution. Père tenait quelque chose. D'accord.
Ah, mes chances ont augmenté là. J'étais à 48, je suis à 50. Faites glisser votre doigt sur le pavé tactile pour interagir. D'accord, vous avez débloqué un dialogue ou une action souvent bénéfique. Oh putain! Putain! Chaud! Putain, ça. Chaque seconde compte, ouais, mais bon. Je veux bien, mais bon. Entendez les coups de feu. D'accord. 65%, oh, ça va. Note de plomb, trisulfure d'antimon. Moine, un seul coup, what? D'accord. Bon, pas très bien compris là, mais bon. Officier Anthony Descartes. Mort à 20h03. Ah oui, il est mort après l'autre en fait. Après le père en fait. Bon, forcément, c'est le premier sur les lieux donc. Ah, il a tiré dessus en fait. Chaud. La tâche à assister à la fusillade. D'accord. D'utilisation d'armes par un androïde sont strictement interdits. Ah. Merde. Eh bah fuck, on y va, on en prend un. Au cas où. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Mais si je veux lui.
Tu veux une tarte? La famille allait se mettre à table. Ah bah là. Tu sais, ils auraient pu éteindre les gars. Le flic est vivant. Je l'ai vu bouger la jambe. Quel flic? Ah merde, je voulais analyser ça, c'est vrai. On attend quoi, Auguste? On voit la base. Modèle PL600. Android blessé. Mmh. 79%. Et je vais voir si je peux faire autre chose, mais bon, ça m'étonnerait. On n'a pas l'air. Ah, si, le frigo. On peut pas courir? Ouais, je lui parlais, t'inquiète. Allez, c'est parti. Recule! Fais pas un pas de plus ou je saute! Non, ne fais pas ça! Je t'en supplie! Allez! Bonsoir, Daniel! Comment? Je m'appelle Connor! Tu connais mon nom? Je sais beaucoup de choses sur toi. Je viens de sortir de ce mauvais pas. Merde. Je ne vais pas te faire de mal. Je veux juste discuter et trouver une solution. Discuter? Je veux pas discuter! C'est trop tard de toute façon! C'est trop tard! Est-ce que t'es armé? Non! Je n'ai pas d'arme! Tu mens! Je sais que tu as une arme! Je te dis la vérité, Daniel! Je suis venu sans arme! Il n'y a pas d'issue, Daniel! Ce que tu as fait est trop grave. La seule question est de savoir si tu vas faire une autre victime innocente. Ce n'est pas ton choix. La balle est dans mon camp. Si je meurs, elle meurt aussi. Tu m'entends? Putain, c'est pas bon ça. Il voulait te remplacer par un autre androïde et ça t'a contrarié. C'est bien ce qui s'est passé. Je pensais faire partie de la famille. Je croyais que je comptais. Mais c'était que leur souhait. Un objet qu'on jette une fois qu'on l'a utilisé. Disons. Je sais qu'Emma et toi étiez très proches. Tu penses qu'elle t'a trahi, mais elle n'a rien fait de mal. Elle m'a menti. Je croyais qu'elle m'aimait. Mais j'avais tort. Finalement, elle est comme les autres humains. Daniel, non! Je peux plus supporter ce bruit! Fais dégager cet hélicoptère, maintenant! Thank you.
Écoute, il y a des snipers sur tous les toits. Libère l'otage, tu n'as pas d'autre choix. Je veux que tout le monde s'en aille. Et je veux une voiture. Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir. Ce n'est pas possible, Daniel. Libère la fille, et je te promets qu'on ne te fera pas le mal. Je veux pas mourir. Tu ne vas pas mourir, nous allons simplement discuter. Il ne va rien t'arriver, tu as ma parole. Ok. Je te fais confiance. Mission accomplie. Hein. Je préfère mentir et sauver une enfant que dire la vérité et voir les deux mourir. Ça me paraissait logique. Parfois, faut savoir faire des sacrifices. Voici l'arborescence de la scène. Ici, vous pouvez consulter les chemins que vous avez pris, ce qui reste à explorer et les possibilités que vous avez déverrouillées. Parce que forcément, les scènes, on peut les faire, refaire et encore refaire. Et il y a plusieurs finales en fait. Sauver le poisson. Prendre l'arme du poissier. Et deux trucs à faire ou quoi? Trop de temps perdu. Confronter le déviant héros. Déviant dehors, je veux dire. Pff, héros, n'importe quoi. Ouais, d'accord. Ouais, c'est quand on parle en fait, il y a beaucoup de dialogue en moins en fait. Ouais, donc normalement. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 fins différentes? Non, quand même pas. C'est le délire. Bon ben voilà. Hein. Ça va pas durer très longtemps mais bon. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Regarde-toi! Tu dois accepter le monde tel qu'il est. Ou te battre. Mon nom est Kara. Mon nom est Marcus. Je m'appelle Connor. Ceci est notre histoire. For the players. J'adore. J'adore le truc quoi. En plein jeu, ils nous mettent une bande-annonce. En étroit, vos choix modifient le déroulement de l'histoire. Les scènes peuvent varier sensiblement suivant votre façon de jouer et avoir des conséquences à long terme. Voulez-vous rejouer cette scène, découvrir un dénouement différent? Non. Je réessayerai peut-être, mais pour l'instant, c'est pas besoin. Ah du coup, est-ce que le jeu, il y a que 3 histoires avec 3 personnages? Ou est-ce qu'il y en a plus? Ça, je sais pas trop. S'il y en a que 3, ça fait court quand même, je trouve. Même si on peut recommencer encore et encore, je trouve que ça fait court quand même. Mais bon, on verra bien. En tout cas, cette démo est sympa. Donc il sort en mai. Ouais, de toute façon, il y avait eu la date tout à l'heure. Je le prendrai pas en précommande ce jeu, mais je le prendrai sûrement. En attendant peut-être une promotion du jeu. Donc voilà, on verra bien. De toute façon, il y a plein d'autres jeux à finir avant, donc plein d'autres jeux aussi à jouer que j'ai pas joué encore. Donc voilà.
Bon, en tout cas, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On refera peut-être, enfin même c'est sûr, je pense, on refera une petite vidéo ou deux sur cette démo. Donc Detroit Become Human. Donc j'espère encore une fois que ça vous a plu et on se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos. Donc sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.